What's up guys et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Que des outils pointus. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, alors en fait je m'étais lancé un petit défi durant une vidéo qui est juste ici. Où j'avais regardé une petite compile de DIY et j'avais lancé du coup un défi. J'allais faire un arbre à chat pour mon chat. Une petite photo de lui d'ailleurs. Bref, du coup j'ai fait le plan avant. Ouais. Et peut-être que j'ai vu un peu trop, mais bon, vous me connaissez, hein. Je vais toujours remplir l'objectif, je vais essayer de faire un maximum. Et puis si je me coupe un doigt, appelez les pompiers, c'est le 18. Allez, je commence. Alors du coup, j'étais précautionné avant, j'ai pris toutes les planches, il me faut deux planches sur 70 sur 50, 7 planches sur 50 sur 50, 5 planches sur 50 par 40, 5 planches sur 50 par 40, 15 planches, non, 5 planches de 15, 5 cm, et du coup j'allais faire l'échelle du coup qui sera sur 10, 64, ça vous dit quelque chose? Moi non plus. Comment on va faire? On va commencer peut-être par les 70. D'abord, je vais mesurer d'ici, avec la lettre d'un mètre. J'ai 1 mètre. 2 mètres. 3 mètres. Voilà! Une taille, deux tailles, trois tailles, en blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum. Oh, pas vrai. C'était juste une petite blague. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis des planches ici. Je sais pas si vous avez vu. Mais du coup, je vais commencer par. 70 sur 50, la lunette pour le swag. Et c'est parti. Je vais avoir une dégaine frérot. Donc, je pense qu'il faut faire ça. Ok, 70 c'est ici. 70, on commence déjà bien. J'arrive pas. Je crois que j'aurai des gens qui vont se moquer de moi, mais c'est pas bien de se moquer. Hein. Vous savez, hein, dans la vie, la chance sourit toujours aux audacieux. Et moi, quoi, c'est 44. Et moi, je suis un audacieux. Donc, je vais réussir dans ma vie. Parole, c'est un moine Shaolin qui l'a dit que quand tu te couchais avec le cul qui gratte, tu te lèves avec le doigt qui pue. On m'a toujours dit ça. J'ai jamais compris. Pourquoi là j'ai 70? Ça commence déjà à me courir sur la rico. Donc là je dois être bien. C'est grand en fait. Hein. Donc là normalement je dois avoir 44 cm. C'est tracé avec précision moi je dis. Allez c'est parti, on va se mettre bien, on va brancher ça. Bon, j'ai failli mourir. Ok, c'est parti. Alors c'est parti. C'est pas tout droit je pense. J'ai pas été droit. Première planche, je suis pas mort. Quand c'est réussi, je le mets au fond, mais je sais pas si vous verrez. Vers l'infini et l'au-delà. Ah oui, allez.
je tiens à vous dire que c'est des bois que du coup j'ai récupéré avec avec le père de ma copine. C'est pour ça que des fois c'est pas le même bois, hein, c'est que c'est récupéré. Justement, je vais vous montrer qu'on peut faire un arrachat de manière écologique et économique. Et esthétique aussi. Éthique, pratique, philosophique, non c'est pas ça? Bon, je sais plus. Ouais. Non, c'est éthique, pratique, esthétique. Ah, c'est ça. C'est le IP de Jules. Enfin, c'est les trucs de Jules. Oui. D'ailleurs, je vous annonce un très très gros projet. Petite surprise, mais vous allez bien voir. Je vous dis, c'est que vous abonnez à la chaîne en fait. Comme ça, moi j'ai. Comme ça, moi je suis content. Hein. Et vous aussi. Parce que c'est du coup une vidéo ludique tous les dimanches. Je me suis raté. Pareil. Puis les cas, ça se verra pas. Hein. Ça se verra pas. De toute façon, c'est un design quoi. Bon, c'est raté, mais c'est possible. Bon, bah je vais pas tout vous montrer les découpes de planches, parce que c'est une séquence qui est très très longue, et je pense qu'il est pas du tout constructif pour la vidéo, hein, ça vous ennuierait plus qu'autre chose, mais sachez que j'ai quand même bien bien galéré. One eternity later. Je m'attaque à la petite, le petit banc pour la gamelle du chat, parce que je sais pas si vous savez, mais un chat doit toujours avoir sa nourriture surélevée pour éviter qu'il vomisse. Et depuis que je l'ai fait, il vomit beaucoup moins. Du coup voilà. Là ça va être du pur hasard, donc ça va être de la merde. Donc, du coup on va tenter ça. Je pense que c'est pas trop mal si je fais sur du... Ah, ce crayon, il faut savoir que je l'ai perdu 100 fois quand j'ai coupé. Alors, on va commencer d'ici. Et je pense que là on va mettre un bol, deux bols. Une taille. On va mettre ça. On va mettre 30 cm, pas plus. Allez 30. Yeah. Allez 30, c'est parti. Oh mais là, c'est pas tellement dur. Avant j'étais sportif de haut niveau. Je sais pas si je peux les croiser. Tiens, c'est qui le patron ici? Allez. Bon bah c'est parti pour une nouvelle fois. Aïe mon pied. Ah ouais, j'ai vraiment une gueule de con quoi, c'est incroyable. La coiffure est horrible. Du coup bah là ce que je vais faire c'est que je vais poncer toutes les parties où j'ai coupé. Puis je vais aller racheter des planches. Enfin, je vais acheter des planches pour acheter du PVC, des trucs à chat et puis... La journée numéro 2, c'était la journée la plus chiante. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai fait tous les petits détails qui se voit pas, et c'était vraiment, vraiment, vraiment horrible. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de la perceuse et de la lime, avec qui j'ai eu des mots pas très catholiques. Mais bon. Faites bien que je me défoule. Jour 3. Bon, j'avoue que je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait depuis le début. Hein, comme quoi, je suis pas si mauvais que ça. Je pense avoir des réflexes de bricolo. Bref, vous avez vu, c'est quand même stylé ce que j'ai fait. Hein. Aujourd'hui, on va monter l'arbachat, c'est-à-dire qu'on va faire les cubes, on va faire le griffoir pour les chats. Voilà. J'ai un pistolet à James Bond pour coller. Alors là, du coup, je vais pouvoir pousser. Ça marche pas. Il faut appuyer, il faut.
Oh, de la force. Bref, donc du coup, je vais faire 4 traits, boum, 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 pour faire tenir la corde. Donc c'est de la colle hyper puissant, ni clou ni vis. Putain, c'est dur, en vrai. Oh, ça va, une sacrée poignée. J'ai réfléchi et j'ai une petite stratégie. La planète, la planète, faut y penser à notre planète. Mais faut y penser à notre planète, ne pas jeter les déchets par terre. Et oui, c'est pas bien ça. On a une planète, protégeons-la. Non, bah. Je vais mettre par terre là. Ça va faire du bruit ça. Alors. Je sais pas du tout comment le poser. C'est où ? Oh, ça bouge. Oh, j'ai plein dehors. Putain, on a une technique là. Oh putain, oh là, j'en fous plein dehors. Ah bah ça commence. Ce que je redoutais est arrivé. Je vais m'en foutre plein les doigts. Je m'étais passé de la vidéo, bah là. Et voilà. Bon, bah, on dirait un Greek Fort chez Wish, mais j'ai réussi. Honnêtement, c'était long, très très long, et c'était très chiant. Donc, je vais pas vous montrer les trois autres, parce qu'il y en a trois autres. Et honnêtement, pour vous dire, ça m'a peut-être pris 20 minutes, je pense. 30 minutes, 40 minutes, ouais, 40 minutes. On passe de 20 à 40. Bref, je fais les trois autres et après je vous montre, ok? Bon, il me semble que j'ai réussi, regardez. Ça rend hyper bien le griffoir. Franchement, je suis hyper fier de moi. Voilà. Bon, bah, vous pouvez voir que quand même, au début, j'ai pas raté. En vrai, je suis hyper fier de moi, mais on va le manipuler tout doucement parce que la colle, elle sèche au bout de 24 heures. Donc, voilà. Je vais exactement monter la roche. En fait, en ayant réfléchi, j'ai remarqué que déjà de 1, je m'étais gouré quand j'ai coupé les pièces. Et que ça rendait pas forcément ce que je voulais. Du coup, je vais un peu faire du freestyle. Et là, ça va commencer à être pas mal. Je pense qu'on va commencer à bien rigoler. Simplement, il faut que je réfléchisse comment je vais faire. Il faut que je trace où sera la cabane. Parce que là, en fait, ça va être le sol du côté grand. Donc, du côté où il y a les gros griffoirs et avec la cabane suspendue. Du coup, alors, comment je vais faire? Tout simplement, je vais commencer à tracer la cabane. Il me semble que la cabane qui était là, c'est du 40-150. Ok. La planche de 50. Comme ça, c'est pas trop mal. Et comme ça, c'est pas trop mal. Et là, tu mets le toit par-dessus. Ok, c'est cool. Diviser la planche en trois parties. Ça commence à être intelligent. Là, on va commencer, vous allez commencer à voir mon IQ. Donc, du coup, 70 divisé par 3. Ne vous tracassez pas, ça fait 23. Donc du coup 23 plus 23, 49, ça vient ici. Ok. D'accord. Ensuite je vais prendre la moitié quand même pour être sûr que j'arrive. Donc c'est du 50. Donc du coup 25. Là je suis bien. Et là normalement je dois être pas mal. Donc 25, ça doit être là. Ok. 25, à peu près, ça doit être là. Là je vais faire les pré-trous.
nickel ça. Oh, ça a pas percé les trous, ma bite. Mais je suis un connard, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, je me suis trompé, c'est pas grave. Je sens que je pars très très mal. Intelligent. Je suis intelligent. Je m'y prends très très mal. Oh, je me suis pris très mal. Oh, putain. Il y a qui va se moquer de moi. Je pense maintenant que j'ai trouvé trou, il faut que je plaque. Je comprends pas. De toute façon, ça va. Oh, putain. Je comprends pas. Je comprends pas. Sur la vis qui était là et du coup au final ça déconne parce que du coup la vis forcément elle est un peu retour et du coup voilà, et là du coup ça tient nickel. Après avoir réussi l'exploit de faire tenir ces griffoirs, je m'attaque à la cabane. Du coup j'ai pris les mesures sur le sol pour faire des trous et j'ai fait pareil avec le mur. Comment je vais faire, je sens que je vais galérer. Déjà, bien voir. Pourquoi ça rentre pas dans les trous? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Un king, dites-le moi. Ouais, je suis un king. En fait, le truc du bricolage, c'est qu'il faut être hyper patient et moi je le suis pas du tout. Pas du tout. Mais c'est bien, ça m'apprend à être patient, à être rigoureux dans ce que je dois faire. Je fais de la merde. Je fais de la crotte. Crotte. La crotte, la crotte, rigolo. Ok. J'ai une bonne nouvelle, amis. Ça passe. Attends. Sans prêter. Ah, c'est à côté, encore une fois. Hop, pourquoi ça ne rentre pas? Ça doit être le cinquième jour, ouais. Cinquième jour et je suis pas déçu de ce que j'ai fait. Hein. Je pense que j'ai quand même pas mal déjoué des pronostics. Si vous ne croyez pas en moi, bah... Vous avez tort.
En vrai, je suis quand même fier de moi, sérieusement. Je trouve que c'est cool. Moi, ça bouge un peu, j'espère que ça va tenir. L'échelle, j'ai galéré, du coup, je l'ai mis là, par rapport à, au plan, j'avais changé un peu. Parce que du coup, j'avais mal mesuré l'échelle. Comme ça, le chat, il pourra venir ici, c'est super cool. Moi, j'aime bien, franchement, je kiffe. On a mis des sangles aussi pour porter ce que c'est lourd. Là, comme ça, là. Ça paraît, c'est pas sûr que ça. Du coup, maintenant, ça va être le moins dur, enfin, j'espère, dans cette vidéo. Ça va être la moquette. Moi, on a regardé, je voulais prendre 1m50 et au final, on s'est fait un peu entuber. Et on est que 1m48. On commence bien déjà. Oh, oh, petite sieste là, au soleil. Et maintenant. Oh. Bon, faut que j'arrête. Bon, allez, c'est parti. Je vais mesurer à l'aide d'un mètre. Alors. Wow! On va prendre du skill dans cette vidéo. 50. C'est là. Et on a toujours une tête quand on découpe, c'est genre on est comme ça. Genre on fait des mouvements de lèvres comme si ça allait nous aider. Au final, bah, ça sert à rien parce que on coupe avec les lèvres, c'est ce que je cherche. Mais bon. Je pense qu'un cutter aurait été peut-être plus judicieux. C'est parti. Une parole. Et voilà, on va le mettre dedans. Pas se perdre. Ok. Bon. Bah ça commence plutôt bien. C'est 1m40. Wow, j'ai mal au dos. Bon, à l'aide d'une agrafeuse, je vais agrafer la moquette que j'ai coupée. Puis faire les finitions de que ce qu'il faut couper. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez, mais. Non, en vrai, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Alors, comment ça marche? On est agrafé comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. On va faire comme ça. Oh. Oui. Oh. C'est sportif. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que je me débrouille bien. Hop. Qu'est-ce que je me débrouille bien. Hey, je suis plutôt fier de moi quand même. Bon, maintenant on va s'attaquer à cette partie-là. J'ai bien découpé, je pense. Il y aura cette partie-là où ça va un peu m'embêter. Mais en vrai, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Hier. Yeah. Ça va tomber toute la nuit. Bon, allez, c'est parti. Ça, ça veut dire oui. Voilà. Hop. Pourquoi c'est pas droit? Moi j'ai fait des bêtises, ça sera comme ça. Il y a un souci là, c'est que j'ai mal coupé. Comment je vais faire?
pour réparer cette bêtise. Ah, j'essaie de coller là-dessus, comme ça là. Vas-y. Papy, il y aura un petit raté, qu'est-ce que je vous dis. Ouais. Comme ça. Yeah. Ensemble toute la nuit. Et ça va le faire, yeah. Chante du Kinvé, ouais, et alors. En vrai, je m'éclate à faire ça, à graffer, c'est cool, je trouve. Ouais, quand j'agrafe bien, quand j'agrafe pas mal, c'est pas bien. Oh. Honnêtement, je suis plutôt fier. Plutôt fier. Et voilà, testé et approuvé, n'est-ce pas? J'ai réussi à monter en arrache là. Vous avez vu? Hop, praticable, escaladable. T'es content? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai réussi à monter mon arrache là, tout seul comme un grand. Et si je suis arrivé, vous pouvez y arriver. Je suis très mauvais manuellement. Vous avez pu voir la vidéo que j'étais très mauvais. Mais avec... Je vais remonter un peu. Un Eddy. Pourquoi? C'est sûr. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.